Bonjour à tous, c'est Daphné. Pour ce 10e jour de mon calendrier de l'Avent, on se retrouve avec une nouvelle petite compilation de mini-jeux. Et le premier, c'est Flapcat Christmas, qui est une espèce de Flappy Bird, en gros, hein, voilà, si j'ai bien tout saisi. Notre objectif, il est tout simple, on est Flapcat, donc l'espèce de petit truc qu'on voit à bord, je suppose. Et notre objectif, voilà, c'est d'aller le plus loin possible, tout en évitant les obstacles. Alors, il faut savoir que moi, Flappy Bird, c'est un jeu qui a eu le don de me faire rager, mais d'une puissance terrible. Donc, on va voir si là aussi je rage. C'est parti. Oh, puis en plus... Oh non! Super, ça commence bien. Allez. Oh non! Mais ils sont trois aussi, c'est super dur! Bon, l'objectif, passer le premier. Oh! Dis donc. Oh là là! Ah, il n'y a plus la... Mais elle était bien la petite musique, elle me berçait. Bon, mon record c'est 3, super. Allez, c'est parti. Ah mais il n'y a plus de musique de Noël, c'est triste. Vous n'avez pas l'impression que le petit Popoy est tout derrière, là c'est un petit mignon. Moi je trouve on dirait un petit mignon. Bon allez, on en fait une petite dernière. Ah non, non, on va pas finir sur un fail comme ça, c'est pas possible, c'est pas négociable. Allez, on en refait une, quand même. Je veux au moins en passer un, voilà. Bon, mon meilleur score du coup, voilà, c'est 3. 3 ou 4 ? 3, voilà, super. Joker. J'avais prévenu un Flappy Bird, j'étais pas douée. Non mais là c'est parce que je me concentre pas assez. Mais, bon, vous m'en voudrez pas je pense. En tout cas celui-là, c'est un petit jeu gratuit. Et le second, c'est pareil, c'est un petit jeu gratuit. Et c'est Jetpack Santa. Et c'est tout simplement un Père Noël, même principe que Flappy Bird finalement. Il faut faire avancer notre Père Noël tout en évitant les obstacles et en ramassant divers objets, notamment les petits cadeaux, à ce que j'ai compris. Donc c'est parti, hop. Donc... Ah non, ah non, c'est pas là qu'il fallait aller. Ah oui, ok, d'accord, donc là on a 3 vies. Ah c'est pas mal ça. N'empêche, imaginez le Père Noël, il se balade en jetpack, ce serait trop stylé. Père Noël des temps modernes. Je voulais pas préciser, mais les deux jeux se jouent à la souris, hein, en tap-tap de clic de souris, hein, tout simplement. Dis donc, là, ça va mieux, là. Je suis plus douée avec un jetpack, en fait, qu'avec un traîneau de mignon. Allez, c'est parti. Oh non! Genre, ça a touché. Trop de pression, moi. Je suis à 9, purée, 9 cadeaux. Comment je fais si je veux ramener un cadeau pour tous les abonnés? J'ai pas autant de... Je vais jamais y arriver. Trop d'abonnés et pas assez de cadeaux. Comment je fais? Je crois que si on additionne tous mes scores depuis le début, peut-être que tous mes abonnés, ils auront un cadeau. Bon, game over. Allez, c'est reparti, on recommence. On va en faire 3 de partie, hein. Oh non, je l'ai raté! Je l'ai raté! Non! Oh là 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 là! Allez, vas-y, Père Noël, on va y arriver! On a des abonnés à gâter, là, un petit peu haut. Mais à chaque fois, je me les prends, les petites plateformes, là, en haut, je les vois pas ou je les vois au dernier moment. Allez, le petit pic qui fait zizir, ça y est, génial. Daphné, la concentration, mesdames et messieurs. Hop, oui, je l'ai eu. Bon, le meilleur score pour l'instant, c'est 13. Il me reste un cœur. J'ai 8 cadeaux. Ouais, allez, 9. Non, ouais, je l'ai pas eu. Ah, pour une fois, je me suis pas pris la plateforme. Nickel, 11. Ah, ah. Je sais pas si ça compte quand je touche le sol. J'ose pas tester. 13. Vais-je faire mieux? Allez, 14. Nickel. 15. Bah dis donc. Je suis parée pour Noël là. On m'arrête plus, ça y est. C'est moi ou ça s'accélère? Ah non, je l'ai raté. C'est moi ou ça s'accélère, j'allais dire. Ah, c'est quoi ça? Ah non, on l'a raté. Bon bah on saura jamais ce que c'est. Oh, dis donc. Ah oui, ça accélère. J'ai pas rêvé, ça accélère. Allez, meilleur score, 20. On recommence. On a dit 3 parties. Enfin, j'ai dit 3 parties, vous avez rien dit.
Quoique ce serait fun en vrai si on pouvait faire des vidéos en live comme ça. Bon, moi je peux pas avec ma connexion, mais ce serait rigolo. Chaque jour, le calendrier de l'Avent en live. Ce serait vachement fun. Hop. Père Noël à jetpack, on est au taquet. On va essayer de pas perdre nos cœurs aussi rapidement que la partie précédente. On tiendra peut-être plus longtemps comme ça. Hein. Allez, hop. Ah non, oh non, mais la plateforme. Je la vois toujours trop tard, cette plateforme. C'est pas juste. Allez, concentre-toi, David. Hop, voilà. Allez, on y est presque. Imaginez, les rennes, ils ont des jetpacks aussi. Ce serait fun. Un traîneau en jetpack. Père Noël des temps modernes. Eh, dis donc, je suis déjà 14, j'avais même pas fait attention. À force de vous parler, là, moi, j'en peux plus, là. J'en peux plus. En tout cas, je suis plus douée à celui-là qu'à l'autre. Oh non, je l'ai raté. Ouais, non, mais moi, les Flappy Bird, je vous avais prévenu avant même que je commence, mais c'était pas de la mauvaise foi. Pour le coup, c'est vraiment que non. Flappy Bird, ça a jamais été un jeu où j'ai été très douée, dirons-nous. Après, j'y ai pas joué non plus, plus que ça, mais... Oh, genre ! Oh, comment c'est de la triche ! Ah, mais ça a ralenti, c'était bizarre. C'était vraiment bizarre, ces petits aimants, là, parce que à la fois, ça te ramasse les cadeaux, mais à la fois, ça te ralentit. C'est perturbant. Mais bon, en tout cas, j'ai encore battu mon score. Là, je suis à 24. N'hésitez pas à tester ces deux petits jeux gratuits. Je vous mets comme d'habitude les liens dans la barre d'infos et à me donner vos scores. Moi, j'adore qu'on partage nos scores ensemble. Donc, dites-moi vos scores dans les commentaires. Je vous dis donc à demain. Bye bye les kikis.